Moi qui croyais avoir tout vu, tous les gouvernements l'avaient eu. Encore un ministre défaillant, Olivier Véran. Il trouve que les Français sont cons, parce qu'ils suivent pas les restrictions. Y'a un nouveau qui est dans le rang, Olivier Véran. Après Macron et Bachelot, Jeannot qui sait qu'a le gros lot. Qui sait qui va être emmerdé et qui va rester couché? Ben c'est Véran, Olivier Véran, qui veut que tout le monde se déteste et qui veut que tout le monde se teste. On s'aperçoit mois après mois, ils font ce qu'ils veulent de toi. Pas besoin de choisir ton président, on l'a fait pour toi il y a longtemps. Mais c'est Véran, Olivier Véran, notre ministre de la Santé, l'exemple de tous les Français. Disait que jamais on l'écoutait, qu'on risquait de tous l'attraper. Finalement des leçons données, faut aussi te les appliquer. Ils tous verront, positif verront. Pour un ministre de la Santé, tomber malade c'est le bouquet. Comme si le ministre de l'Intérieur se retrouvait à l'extérieur. Comme si Roselyne s'occupait pas des artistes, ça c'est le cas. Mais on parle de Véran. Bon rétablissement. Maître Chami, c'est à vous. Si tu apprécies mes vidéos, clique sur le pouce et abonne-toi à ma chaîne. C'est aujourd'hui, gratuit. Je ne vais pas dire un discours. Je vais vous dire juste quelques mots. Le premier mot, bonjour aux résistants. Bonjour aux femmes et hommes libres. Qui veulent rester debout. Et ne pas se soumettre à la tyrannie sanitaire. Maintenant, je dois vous dire un secret. Il y a 38 ans, je suis arrivé en Alsace. J'ai appris quelque chose d'extraordinaire, c'est que les Alsaciens sont très accueillants. Très, très accueillants. Le lundi, vous avez un invité de marque qui est le premier emmerdeur de France. S'il vous plaît, il faut que vous soyez à la hauteur. Il faut que vous soyez encore plus emmerdeur que lui. Vous avez donc une raison de lui réserver un comité d'accueil avec toutes les emmerdes possibles. Alors maintenant, attendez. Aujourd'hui, je dois vous dire, soit vous vous mobilisez nombreux, puisque le lundi, on ne travaille pas en Alsace. Elle est bonne. Mais on la prend cette journée. Et à ce moment-là, on montre effectivement qu'une fois de plus, les Alsaciens sont toujours accueillants, comme ils m'ont accueilli il y a 38 ans. Sauf qu'à l'époque, je n'étais pas le président des emmerdeurs. Alors soyez les emmerdeurs de France et montrez que vous êtes à la hauteur et que vous êtes dignes de votre réputation. Bonne journée à vous, bonne soirée.
Depuis des mois, maintenant, de nombreux étudiants sont isolés, mis à l'écart, et beaucoup voient leurs études et leur vie être compromises par la mise en place des différentes mesures sanitaires. L'EMLU, étudiants militants libres et unis, est un collectif créé en août 2021 de l'union de différents groupes étudiants dans toute la France et de la nécessité de se rassembler au niveau national. Notre volonté est née du constat suivant. Le droit fondamental d'accès à l'éducation sans condition n'est pas respecté. En France, nous sommes arrivés en octobre 2021 pour lutter avec les jeunes de Mulhouse. Nous avons décidé de vous partager aujourd'hui un témoignage touchant de Léna, jeune étudiante en école d'infirmière. Quel est ce monde ? Oui, je me demande, quel est ce monde ? L'humain, quel animal ? Lui qui nous a d'abord enfermés, nous a empêchés de nous sourire et de respirer, et qui maintenant nous injecte un poison. Qui sont-ils pour nous imposer une, deux, trois doses en échange du droit de sortir, boire, manger et même travailler? Qui sommes-nous pour accepter ces règles violentes, nos droits et nos libertés? Et j'ai dû m'injecter ce vaccin juste pour pouvoir exercer le métier dont j'ai toujours rêvé, juste pour pouvoir aller à l'école. Et vous savez quoi? J'ai eu honte de moi, de dire tant pis à mon propre choix. Je me suis fait des excuses, mais je ne parviens pas à me pardonner. J'ai été malade comme jamais je ne l'ai été, mais surtout malade de rage, une rage d'être impuissante. Je me suis dit, c'est ça l'humain. Un pauvre suiveur qui ne s'impose pas comme il l'a fait il y a des centaines d'années. C'est ça, notre génération. À ceux qui pensent nous contrôler, à ceux qui nous égalent à des machines, à ceux à cause de qui on est obligé de survivre, vous nous demandez, nous, étudiants, d'être créatifs et indépendants. On peut l'être là, à votre avis? Est-ce qu'on peut réussir à rêver, d'après vous? Vous dégoûtez, vous n'avez pas le droit. J'en ai marre d'entendre, mademoiselle, votre passe sanitaire. Et toi, ça y est, t'es libre, t'es vacciné. Et je ne suis pas d'accord. Comment on fait alors? Oui, je me demande quel est ce monde. Au nom de ceux qui ont tout compris, au nom de ceux qui n'ont pas eu la chance de survivre au vaccin, au nom de ceux que je supplie de se battre, ayez le courage de nager contre courant, contre leur courant. On ne nous a pas programmés pour dire oui, et aujourd'hui, je dis non. Le collectif EMLUE reçoit de nombreux témoignages de jeunes en souffrance, comme vous avez pu entendre celui-là. Afin de ne pas les laisser isolés, nous les accueillons de tous les horizons. Nous vous invitons donc à partager notre message, à venir nous voir durant le rassemblement et à transmettre les flyers qu'on peut vous proposer à tous les étudiants de France.